Alors, beaucoup de projets nous sont proposés au sein de l'Académie d'Orléans-Tours. Et l'année dernière, on a un projet qui nous a été proposé concernant les changements climatiques. Et donc un projet qui était d'abord destiné au collège et au lycée, mais qui a été ouvert finalement aussi aux écoles primaires. Il y avait plusieurs thèmes, et le thème qui pouvait être abordé facilement par des élèves de CM était le thème qui s'appelait « Les bâtisseurs de demain », à savoir qu'il fallait pouvoir fabriquer une maison qui puisse s'adapter au changement climatique avec un souci écologique. Donc le projet a été présenté aux élèves qui étaient assez contents du projet, je crois, qui étaient très motivés. Et donc ils ont, après avoir réfléchi à tous les changements climatiques qui se passent aujourd'hui et à la manière dont on voulait fabriquer la maison, on a pu après en pratique fabriquer la maquette de la maison écologique. Donc Juliette va vous expliquer un petit peu comment on a fonctionné en classe. À toi. On a fait une maison écologique avec un outil pour s'il y a une inondation. L'isolation, elle a été faite comment? Avec de la terre, du bois. Donc les matériaux naturels, on avait la ouate de cellulose, la fibre de bois et le chanvre. Donc en fait, montrer aux élèves tous les matériaux qui pouvaient exister pour qu'après, voilà, ils puissent comparer avec les matériaux qui sont traditionnels et qui peuvent être beaucoup moins agréables à manipuler. Et puis leur montrer une variété de choses pour qu'ils puissent voir qu'il n'y a pas un élément qui existe, mais plusieurs. Après, au niveau de la toiture, on a fait quoi? Le panneau solaire alimente la maison en électricité. Vous avez été chercher où la terre? Dans notre jardin. On l'a mélangé avec de l'eau et de la paille. De la paille, vous avez fait quoi? Avant de mélanger. On l'a coupé un petit morceau. Et alors, ça faisait quoi de mélanger cette tambouille? Ça faisait bizarre. Ça faisait une matière. Tu as appris à faire chose? Est-ce que tu avais déjà scié avant? Non. Donc tu as appris à scier? Non. Qu'est-ce qu'on a fait à l'IUT? Tu peux dire ce qu'on a fait à l'IUT? On a présenté ce qu'on avait fait. À qui? Tu seras plus grande ta maison, tu peux la construire écologiquement? Bonjour, donc, je m'appelle Nelly Valotto et je suis géobiologue. Donc je pratique la géobiologie déjà depuis une vingtaine d'années et j'interviens sur les jardins, les maisons pour aménager l'espace en fonction des énergies du lieu. Quand je parle d'énergie du lieu, ce sont les courants d'eau, les réseaux telluriques qui maillent la terre et qui font que le végétal, les animaux, les humains peuvent se sentir bien, grandir, être en bonne santé ou pas. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la géobiologie? Alors, la géobiologie, c'est une science qui étudie le vivant et l'influence du vivant et ses interactions avec les hommes, avec le végétal. Voilà, donc tout est énergie de vie. Un arbre, bah, il croit parce qu'il a de la vie, les animaux aussi, les humains aussi, on en a besoin. Et c'est d'étudier ces espèces-là pour pouvoir être en bonne santé, être bien et grandir comme il faut pour tout ce qui est végétal. Donc là, pendant la fête de la Terre, tu nous as fait un parcours santé-ressourcement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait ce parcours ?
Alors en fait, l'idée c'était de pouvoir faire bénéficier aux gens qui venaient sur la fête de la Terre de points de la Terre qui sont ressourçants. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, dans une maison, on va vérifier s'il y a des courants d'eau, s'il y a des réseaux telluriques qui sont négatifs ou positifs. Quand on dit négatif, c'est-à-dire que ce sont des points qui vont absorber l'énergie de la personne, de l'animal ou du végétal. Et au contraire, quand ils sont positifs, ils vont en donner. Donc l'idée de faire un parcours bien-être, c'était de trouver des points qui donnent de l'énergie aux gens pour qu'ils puissent se sentir bien, pouvoir se détendre aussi, suivant ces points. Et puis profiter aussi de l'énergie de la nature. Quand on fait une balade dans la nature, en général, notre mental s'apaise. On a envie d'observer la verdure, le végétal qui est là, écouter les oiseaux. Et en général, ça nous détend. Voilà. Donc chaque point sont placés à un endroit bien particulier sur des phénomènes géobiologiques. Entre autres, donc il y a certains qui sont situés sur des phénomènes géobiologiques et d'autres qui sont simplement proches d'un arbre, parce que lui aussi, l'arbre, de par sa forme, de par son essence, peut nous donner un sentiment de bien-être et de détente. Je vous invite tous à aller vers plusieurs essences d'arbres et à juste sentir votre respiration et votre corps. Et vous allez voir qu'en fonction de si vous êtes près d'un saule, près d'un chêne ou près d'un résineux, vous aurez des sensations différentes. Et vous vous sentirez peut-être plus attiré par une essence qu'une autre, en fonction de ce qu'a besoin votre corps, en fait. Voilà. Donc ce circuit a été conçu avec ces deux points-là, les énergies de la Terre, mais aussi ce que peuvent nous proposer les arbres avec leur énergie à eux. Bonjour, je m'appelle Claude Garrier, je fais partie du conseil d'administration de la MLCCD, c'est-à-dire Monnaie Locale Citoyenne et Complémentaire, à Mairie. Voilà. Et donc, on a édité des billets qui s'appellent la Linière. C'est la monnaie de tout le Berry, c'est-à-dire Indre et Cher. Alors, comment ça a démarré? Eh bien, disons que Bourges a commencé et nous, on a pris le train en marche depuis un an. Il y a eu la rencontre de toutes les monnaies locales, nationales, à Linière, à la Pentecôte de cette année. Ce qui fait que ça nous a mangé quand même pas mal de temps. On n'a pas pu mettre réellement en place à ce moment-là. Donc on démarre maintenant. Pourquoi la Linière? Parce qu'il y a eu un antécédent. Il y a un petit résumé là, si vous voulez voir la bougnotte. Il y a eu un antécédent à Linière en 1956, une monnaie locale qui a duré 2 ans.
C'était une première expérience. On a voulu faire honneur à cette démarche. Quelle valeur elle a ? Elle a la même valeur que l'euro ? Alors oui, ça c'est une loi, hein. on est couvert par la loi de 2014. Un euro est égal à un linéaire, ou un linéaire est égal à un euro. Et elle perd en valeur ? Pour le moment, on va voir à l'utilisation ce que ça donne. Mais en réalité, il y a 2% qui sont perdus au bout de demain. Et elle va être mise en place dans les commerces dès cette année ? Ah mais c'est déjà mis en place, il y a déjà quelques commerces, il y a une liste. On a 3 comptoirs d'échange aussi, parce qu'il faut avoir des endroits pour convertir les euros. Il y en a 3 dans l'Indre. Alors, il y en a un au Divin Café Argenton, l'autre à l'échoppe du bien-être à Châteauroux et la ferme du Plessis à Poulaine. Alors pourquoi créer une monnaie locale? Ça c'est une bonne question. Moi je dirais tout simplement pour enrichir une région. Parce que quand on paye un euro, c'est la banque qui le récupère. Et la banque, qu'est-ce qu'elle en fait? On n'en sait rien. Ça monte là-haut. Donc ça va aux Caraïbes ou aux Caïmans et puis... on ne voit pas la couleur. Où ça sert à payer les armes des fois aussi. Hein. Alors que quand on paye en linéaire, le commerçant qui s'est fait, eh ben, il va chercher des produits locaux pour pouvoir se servir de ces linéaires. Et ça enrichit toute une région. Ça ne sort pas du territoire. Voilà. Et en même temps, quand on y pense un petit peu, quand l'épicier va acheter ses pommes de terre aux paysans du coin, il n'y a pas de transport. C'est-à-dire qu'au niveau écologie, ben c'est un gain. Voilà. Vous êtes sur le stand de l'éthique animale lors de la fête de la terre à Argenton, sur Creuse. Et je suis là pour présenter mon livre sur le végétarisme et le végétalisme dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, ce qui m'a mené à étudier cette période et à faire ce livre. Je suis végétarienne depuis 5 ans et ensuite je suis devenue végétalienne après avoir consulté des documentaires et des revues sur l'exploitation animale qui reste un vrai problème dans notre pays, non seulement pour les animaux qui sont enfermés, pour la santé humaine, pour la dégradation de l'environnement qui est un problème majeur aujourd'hui. Et voilà, je participe à des Vegan Place à Paris. Alors, Vegan Place, c'est un village associatif d'associations qui prônent le respect de l'animal sous toutes ses formes. Donc on a des livres sur le sujet, de la nourriture végane que l'on propose gratuitement aux gens. Voilà, je propose également mon livre et il y a aussi des chaussures et des vêtements véganes, donc sans aucun produit d'origine animale. Alors être végane, c'est refuser toute forme d'exploitation animale, donc dans l'alimentation, aucun produit d'origine animale, aucun vêtement d'origine animale, et on boycotte également les spectacles qui exploitent les animaux, corrida, cirque, etc. Voilà. C'est un mode de vie éthique, c'est un art de vivre, en pleine expansion aujourd'hui. Livre, voilà, le végétarisme de l'Antiquité à nos jours. Oui, ça fait à peu près 10 mois que je l'ai écrit, donc il est sorti en avril 2016. Et en fait, j'ai voulu trouver les sources des textes fondamentaux sur l'éthique animale. Je suis allée en bibliothèque, j'ai consulté Internet, et ensuite j'ai pensé à associer les citations à des commentaires introductifs pour expliquer la citation. Donc j'ai associé ces commentaires à des tableaux ou des images militantes sur le végétarisme. Voilà, par exemple, vous avez Virgile, une mosaïque de Virgile. Voilà. Et j'explique ma démarche, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mon parcours vers le véganisme, dans l'avant-propos. Ensuite, j'ai créer une frise chronologique synthétique sur les penseurs végétariens. Donc on voit ici que la majorité de ces penseurs, philosophes et scientifiques,
se trouve dans la période archaïque, donc le tout début de la philosophie. Et ensuite, surtout durant la période hellénistique et l'Empire romain. Voilà, donc les principaux, pour en citer quelques-uns, nous avons Pythagore. Alors lui, il ne portait pas de laine, donc on peut dire qu'il a développé les prémices du véganisme. Il ne portait pas de cuir et des sandales en écorce de bois. Et il prenait le respect de tout être vivant. Voilà, donc pour des raisons religieuses. J'espère bien impacter à d'autres endroits, peut-être plus petits, peut-être des villages aussi. Bon, je suis surtout sur Paris à vendre mes livres, mais j'ai fait une conférence à Aiguzon le 7 août dernier sur qu'est-ce que le végétarisme, qu'est-ce que le végétalisme et qu'est-ce que le véganisme. Donc pour expliquer globalement le mouvement actuel. Et à Paris, le 9 octobre, je ferai une conférence sur l'ouvrage, donc l'Antiquité grecque, à Paris lors de la Veggie Pride. Voilà, festival antispéciste. En train de faire en ce moment? Alors en fait je fais un mandala, c'est-à-dire j'utilise le land art qui est une technique où on ramasse les objets que la nature nous offre, donc des feuillages, des branches, des fleurs, des coquillages, enfin pas ici, mais voilà, tout ce qui est local. Et puis après on fait une forme créative, là on est parti sur un cercle, mais on peut créer un triangle, un carré, faire un serpent, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête. Et tout ça, c'est pour remercier la Terre aussi de tout ce qu'elle nous offre, dans sa beauté, et voilà, c'est très agréable à faire. Donc j'invite tous les gens d'ici à venir faire déposer leur petite touche de créativité pour la Terre. Et voilà, bah super les filles, bravo. Vous mettez où vous voulez. On va faire autour. Ah, bah, comme tu as envie, c'est ça qui est magique, c'est comme on a envie. L'atelier du petit passage sur Argenton. On va s'installer. On a donc un atelier de chantournage. Ça va permettre, quel que soit l'âge, de découvrir ce qu'est le chantournage. Le chantournage, à la différence du tournage où on a des pièces circulaires, le chantournage c'est un travail avec la syphile. La syphile, avant c'était la petite syphile que les papis et les mamies faisaient des petites boîtes et faisaient de la dentelle. Maintenant, on a des scies professionnelles, on a des lames extrêmement fines qui permettent de border ça, quel que soit l'âge. Alors à l'atelier, on va mettre sur pied des week-ends de découverte. L'aspect gratifiant du chantournage, c'est qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a quelque chose. Mais pour arriver à faire un travail de fond, c'est un peu comme le piano, il faut faire des gammes. Donc il faut travailler assez facilement avec ce type de machine. Au bout d'une dizaine d'heures, on arrive déjà à bien maîtriser le travail. L'intérêt du chantournage aussi, c'est que c'est du puzzle, bien sûr, mais c'est aussi de la découpe en 3D, c'est de la fabrication de jeux, c'est des jouets. Ça permet vraiment tout un éventail de possibilités vraiment superbes. Et tous les jeux qu'on peut voir autour de vous, c'est vous qui les avez créés? Oui, créés ou récupérés sur des informations d'Internet. Ce sont des vieux jeux et qu'on réadapte souvent en dilatant un peu les dimensions pour que ça puisse permettre aux jeunes et aux personnes âgées de pouvoir jouer. C'est tout l'intérêt puisqu'on intervient à nous au niveau animation, soit avec des jeunes en TAP, soit avec en maison de retraite avec des personnes âgées. On apporte les jeux ou on apporte les scies à chantourner, puisqu'on travaille avec les personnes âgées en maison de retraite avec le chantournage. Ce qui est intéressant, puisque souvent en maison de retraite, les hommes manquent souvent d'activité. Et donc là, retrouvent
l'aspect du travail manuel, le travail avec une machine, et on va sur des projets qui peuvent être étalés sur l'année, sur une dizaine de séances. On intervient souvent une fois par mois, et on est très attendu parce que les hommes attendent beaucoup ce type d'activité-là. L'intérêt aussi du champ tournage, c'est comme tout travail du bois, il y a le travail de champ tournage, après il y a le ponçage, le collage, la peinture, selon la réalisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vis-à-vis des jeunes enfants, on va lire des plans, on va donner le sens de prendre les mesures, de prendre les cotes, et puis de lecture de plans. Donc c'est extrêmement varié. Quand on intervient en animation, on a souvent, là ici il y avait un peu problème d'électricité, mais on a souvent l'aspect machine à champ tourné et les jeux. Comme ça on a un complément qui est intéressant, le gamin qui peut travailler 10 minutes, un quart d'heure en champ tournage, et puis la dynamique, une dynamique de jeu autour qui permet de patienter et prendre plaisir à jouer, alors soit des jeux anciens là où elle est, qu'on a dilaté, soit des jeux plus modernes comme le curling, les pastraps ou le billard hollandais. Diana, qui sommes-nous? Alors, je vais reprendre la formule que nous avions prise sur notre programme. Nous sommes des passionnés de vie saine et naturelle et respectueux de l'environnement. Donc, nous nous sommes créés en 2004. Et nos objectifs sont la recherche et la diffusion d'informations, la transmission de savoir-faire et d'expériences par le biais d'un nichoir pour solaire dont nous allons parler, et la mise en lien de ceux qui partagent les mêmes valeurs, des valeurs similaires, et donc dans l'échange et la communication. Nous pensons que c'est important de mettre en réseau ce qui se fait actuellement d'autres associations pour qui défendent les mêmes valeurs pour se retrouver et créer des choses ensemble. D'où notre présence sur ce lieu, à la Fête de la Terre. Nous avons un programme de conférences et d'ateliers sur différents sujets. Et nous avons une réunion mensuelle avec tous les adhérents, ceux qui veulent découvrir l'association, le deuxième mardi de chaque mois au Poinçonnet. On a plein de cordes à nos arcs, parce qu'on a plein d'arcs aussi. Alors on a démarré en fait par le jardinage. Jardinage, conseil en jardinage, comment se servir des orties, comment utiliser la terre, comment l'enrichir, etc. etc. On a continué avec l'habitat, comment avoir un habitat sain sans utiliser les matériaux avec une énergie grise énorme, ça veut dire avec beaucoup de pollution pour la fabriquer ou la transporter. Et puis on a eu l'idée dans cette histoire d'utiliser aussi le soleil. Alors le soleil, ça va être quoi? Ça va être l'utilisation de cuiseurs solaires, ou on a appelé ça four solaire, dans lequel on va pouvoir faire cuire du riz, des pommes de terre, des lentilles, faire un petit cassoulet, enfin ce qu'on voudra. Le cassoulet, on va avoir un peu de viande, mais pourquoi pas? Faire ses conserves. Faire ses conserves également, hein, on stérilise nos conserves. Et puis le soleil, faire sécher. Pourquoi pas faire sécher des graines, pourquoi pas faire sécher des pommes, des feuilles pour faire les tisanes le matin, des fruits, de tout ce qu'on voudra. Des champignons, voilà, le spécialiste va faire cueillir les champignons et on va les découper soigneusement et les faire sécher. Et puis on a rajouté, en plus de l'habitat, du jardin, la cuisine. Parce que tout ce qu'on a fait sécher ou cuire, il va falloir faire quelque chose, que ça ait des saveurs, que le palais soit aussi réjoui. Voilà, un petit peu, un panel. Alors je ne parle pas de l'eau, hein, la phytoépuration, où on va travailler avec les plantes pour nettoyer la flotte. Des couleurs qu'on va pouvoir utiliser, des terres naturelles pour peindre un bâtiment, peindre sa chambre, enfin, tout ce qui est super pour la vie. Les oiseaux, il faut bien qu'ils puissent poser leurs petites pattes quelque part. On fabrique des nichoirs pour la plus grande joie des enfants qui sont contents de planter des clous, visser et ramener chez eux quelque chose qui va être utile pour leur jardin. C'est libre, ça nous permet de... un support de discussion avec les gens qui viennent nous rencontrer sur le stand.
Donc, bon, ils peuvent consulter les livres, on peut échanger autour de ce qu'il y a dans ces livres, et ils peuvent repartir, bien sûr, en les achetant. Et c'est un excellent moyen, moi, je pense, d'accroche avec les gens pour permettre une discussion. Bon, sans forcément chercher à vendre des livres, ce n'est pas vraiment notre but. C'est vraiment un support pour faire connaître, pour échanger, partager, même parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre qui ne sont pas toujours dans les livres et que nous ne connaissons pas forcément. Maintenant, il y a à peu près 140 adhérents. Il y a plus de jeunes qui arrivent. Quand je dis jeunes, c'est la trentaine. Il y a jusqu'à 80 ans et plus. Mais il y a une tranche d'âge plus jeune qui se manifeste ces dernières années, qui semble plus intéressée par le jardinage surtout. Ceux qui ont l'habitude de travailler dans les jardins, vous observerez tout ce qui est structure végétale en fait, hein, structure des branches. Ils vont garder un certain équilibre, d'accord ? Ils vont se pencher, ils vont garder un équilibre, ils vont pousser les deux côtés de la même manière. Mais par contre, ils vont faire des fruits plus d'un côté que de l'autre. Et en général, là où il y a les fruits, c'est l'endroit où vous avez la partie positive du terrain, bénéfique du terrain. Voilà. Ils vont aller là où il y a les bonnes énergies pour faire grossir leurs fruits. Instinct de survie, comme disait Jérôme, c'est exactement ça. Donc en fait, bon, je vais continuer avec les arbres comme ça, parce que celui-là, je l'aime bien, il est très parlant, vous voyez. Ça, c'est... D'après vous, après ce qu'on a dit, ça pourrait être quoi ? Cheminée. Cheminée, voilà. Une cheminée. Donc du coup, l'arbre, il s'est entouré autour. Il pousse autour. Donc dans les cheminées, hein, on a dit, il y en avait qui étaient négatives. Donc celle-ci, c'est sûr que si vous avez votre lit ou votre bureau, votre espace de bureau à cet endroit-là, vous allez être épuisé en très peu de temps. Et puis si c'est une positive, au contraire, ben, vous allez pouvoir vous ressourcer. Comme je disais tout à l'heure, la nature elle est suffisamment bien faite pour avoir à la fois des espaces d'énergie qui vont nous recharger, nous ressourcer, nourrir tout ce qui est vivant, la croissance aussi bien du végétal que de l'animal, que de l'humain. Et sinon, ben, on a aussi ce que moi j'appelle le dénourrir, des espaces où il ne va pas falloir rester en statique. Donc, quand on fait un soin de lieu, d'une maison, on est très vigilant à l'endroit où on dort et tous les endroits où on va être en statique en fait. Une cheminée, ça fait à peu près 100-110 mètres de haut. C'est un tube qui n'est pas vraiment droit comme un vortex, rectiligne comme un vortex, qui est un peu ondulé comme une plante. En haut, bon, c'est les clairvoyants hein, qui ont vu ça, il y a comme une fleur qui est verte. Et puis en bas, il y a comme une bulbe avec des petites radicelles. Simplement, en fait, c'est pour imaginer, c'est fait. En général, quand on le recherche, ça crée un cercle. Même des fois, au niveau du sol, on arrive à l'identifier par une densité de mousse, par exemple, ou d'herbe. Et du coup, c'est un cercle, un gros tube, visualisé comme un gros tube, qui part de la terre et qui monte vers le ciel. Et en fait, c'est un espace dans lequel vont s'échanger l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. En général, les cheminées, elles sont là pour réguler un trop ou un pas assez d'énergie à l'endroit où elles sont. Un vortex, le tube central, il fait 18 à 20 cm. La cheminée, il peut faire un petit peu plus, mais ça ne dépasse pas les 20 cm. Après, l'espace qu'elle prend, la cheminée, le cœur est assez petit, mais l'espace sur lequel on va la ressentir est L'anneau principal là dont je parlais, il est à 3 mètres, 4 mètres du centre, entre 2 et 4 mètres du centre. Hein. Ça dépend des endroits, ça dépend de l'énergie qu'il y a sur les lieux. Ça dépend des... Je ne sais pas si vous avez déjà observé des fois dans la forêt, on appelle ça nous ici dans les rondes sorcières. C'est des espaces où il y a des champignons qui poussent juste sur le pourtour. Voilà. Là en général, vous avez une cheminée. Après c'est intéressant quand on a une identification par rapport au végétal, notamment, à la nature, qui va nous donner des informations, de pouvoir ensuite aller vérifier ce qui se passe à cet endroit-là. Ce qu'on va faire bientôt. Voilà. De façon à vraiment rendre visible quelque chose qui est là uniquement énergétiquement et qui n'est pas accessible à forcément tout le monde. Les clairvoyants, heureusement, nous ont permis d'avancer sur ces perceptions et de valider les ressentis énergétiques que nous avons tous par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps,
est très grand en fait. Juste en parlant du corps physique, donc je dessine un bonhomme un peu à la mode facile comme ça là. Et autour, il y a le corps éthérique, il a plusieurs couches. Il en a une première, il en a une deuxième, une troisième, en général, hein, et une quatrième, qui elle est un peu plus épaisse que les autres. En général, on a ça. Après, si on en a plus, c'est qu'on est très, très grand spirituellement et qu'on a médité pendant des années. Enfin, bref. Et qu'on a un chemin spécial encore plus que le nôtre. Donc, du coup, ce corps éthérique, quand vous êtes à l'écoute de votre énergie, que vous passez quelque part et que vous avez vu un rond de sorcière, comme elle dit, vous pouvez très bien vous sentir, ah, il y a quelque chose là, tiens. Le goûter, le vivre, parce que ça fait partie de notre corps. Le corps énergétique est complètement indissociable du corps physique. C'est lui qui le nourrit en énergie. S'il est bien protégé, que vous faites gaffe à vos ondes électromagnétiques chez vous, vous aurez beaucoup de densité, vous allez ressentir plein de choses parce que lui sera bien reposé, il sera bien fort. Vous serez plus avec vous-même pour bien ressentir qu'est-ce que vous vivez. Quoi, en fait. Tout être vivant a une couche énergétique de cette manière-là. On peut retrouver cette couche énergétique autour de notre corps physique, mais aussi autour des arbres, autour des plantes. Et c'est par ce biais, chacun de nos corps d'énergie, que vont se faire les échanges d'informations. Pas forcément audible ou visible, mais en tout cas, il y a un échange d'informations qui se fait en permanence, des énergies justement qui nous environnent, d'où l'importance de comprendre comment ça marche, pour savoir où on va créer son espace de vie, son espace jardin, son espace de soins, son espace de méditation, son espace de travail pour avoir la patate et être bien nourri, etc. etc. Jardinière, donc paysagiste, et sur le nord de la Creuse. Et je suis formatrice donc, dans différents centres de formation, tout ce qui touche l'espace vert, un peu la permaculture et l'arbre. Moi, c'est Hervé Valotto, je suis sur Argenton, guide jardinier bio, animateur nature. Et j'accompagne les particuliers pour mettre en place des jardins écologiques. Et puis j'utilise l'outil jardin pour faire de la pédagogie auprès des petits ou des un peu plus grands. Et j'interviens en tant que formateur encadrant sur la ferme de Sainte-Marthe qui est en Sologne, qui est un centre de formation. Alors l'idée du jardin urbain est arrivée quand on a fait cette première fête de la terre le 5 avril, ici à la Grenouille, qu'on avait organisée avec l'association Bianat, l'association Les Cigales de Gaïa et l'association Verte Bulle. Et suite à la diffusion quelques temps après du film Demain, où il parle de jardin urbain, l'idée nous est venue de recréer un petit peu ce pourquoi étaient faits au départ les jardins de la Grenouille, qui servaient à faire des jardins vivriers, et dans lesquels cultivaient un certain nombre de jardiniers dans les années 50-60. 1950-1960 par la culture de chanvre en fait. Voilà. Après ils ont continué par la culture de légumes en fait. Donc, suite à ça, on a rencontré les employés de mairie, les responsables de mairie pour leur faire part de cette idée et de cette envie de créer ça. Et ils nous ont demandé de constituer un groupe, que eux, ils étaient partie prenante, ça les intéressait, que voilà, ils s'y opposeraient pas et que c'était une très bonne idée. Et du coup, on est à l'occasion ce week-end de cette fête de la Terre du 17-18 septembre en train de constituer un groupe
pour lancer dans l'hiver et aussi au printemps prochain ces nouveaux jardins qu'on appellerait urbains, jardins partagés, biologiques évidemment. Quel est votre rôle dans ce projet ? Ce serait plus en fait d'être initiateur et de permettre de peut-être de constituer le groupe et d'accompagner dans un premier temps, voir un petit peu les envies de chacun. Et par la suite, bah, que cette petite équipe bah, évolue et s'occupe du jardin. L'idée en fait c'est de s'inspirer des réalisations qui se font partout en France de ce qu'on appelle les collectifs des incroyables comestibles, à lancer la possibilité de végétaliser l'espace public avec de l'alimentation, des choses à manger, tout simplement. Donc de la nourriture gratuite et du lien social entre les gens qui partagent ce type de jardin. Donc ça se déroule assez bien dans pas mal de villes au niveau des incroyables comestibles. Donc c'est un petit peu aussi s'inspirer de ce qui se fait et puis créer quelque chose ici à Argenton qui puisse bénéficier à tous les gens qui veulent s'impliquer dans ce genre de jardin. Le principe c'est des légumes, des plantes aromatiques, voire aussi des fleurs, parce qu'il y a beaucoup de fleurs comestibles, puissent être consommées. Et donc avec des petits panneaux dans les carrés de culture, des petits panneaux indiquant nourriture à partager. Ce qui fait que les gens pourraient venir cueillir 3 tomates, 2 feuilles de basilic et rentrer faire leur salade. Et puis peut-être la fois d'après venir et puis replanter un pied de quelque chose ou une salade parce qu'ils considéreront qu'ils ont pris un peu et qu'ils ont envie de redonner aussi. Le tout c'est que ça se fasse naturellement et que les gens puissent aussi comprendre qu'on peut, en partageant voilà, ces connaissances et ces techniques, avoir de la nourriture. Création de créer cet espace à cultiver. Donc c'est vrai que là on est un peu sur l'espace sur lequel on pensait qu'il pourrait être bénéfique pour lancer une petite culture de légumes parce que pour pouvoir cultiver on a des besoins d'eau en fait. Et c'est vrai que bah, ici on a une mare qui est alimentée toute l'année en eau. Et par rapport à l'exposition, donc ça c'est aussi important. Donc là on est exposé plein sud et on a des murets qui pourraient permettre aussi de la pierre va capter la chaleur et pouvoir la restituer après. Donc tout en bénéficiant des atouts en fait un petit peu du lieu, ça facilite la mise en place en fait des cultures. Donc ça rentre un petit peu dans les principes de la permaculture, de faire avec ce qui est sur le lieu. Nous sommes 3 associations en fait, un peu cofondatrices de ce projet de jardin urbain là sur Argenton-sur-Creuse. Donc il y a Bianat. Donc Bianat en fait c'est une association qui a été créée en mars 2004, qui commence à avoir un petit peu d'âge, qui est à peu près 140-150 adhérents assez fidèles à l'année, qui propose beaucoup d'ateliers, qui sont présents sur plusieurs fêtes des plantes, salons bio, foires. Cette association, on va dire, est quelque part la grande sœur des 2 autres petites. Ouais. Donc les cigales de Gaïa, qui sont nées en 2015, qui sont un petit peu dans l'idée de transmettre pareil, des savoir-faire et savoir-être en lien avec la nature et le bien-être, en fait. Hein. Par des transmissions d'ateliers et de stages sur le jardin, sur la cuisine aussi, les plantes sauvages comestibles. Un petit peu sur d'autres domaines aussi qui sont complémentaires avec ceux de Bianat, avec les cigales de Gaïa, parce qu'il y a aussi voilà, réflexologie plantaire, il y a aussi la géobiologie, qui est aussi développée par l'association Vertebule, la 3e association, la toute dernière, la toute petite, qui est née en 2016. Les 3 associations sont à la fois complémentaires et puis ont chacune des compétences particulières qu'elles ont développées, qui pour nous paraît tout en lien les unes avec les autres. Et donc l'objectif des 3 est de semer des petites graines, on va dire. Thank you.
Bonjour, je m'appelle Jérôme David, je suis président de l'association Verte Bulle. Donc, j'ai créé l'association Verte Bulle parce que j'ai beaucoup vécu près de la nature et que pour toutes les sensations que j'ai eues, de son abondance dans les jardins, de la possibilité de créer de jolies habitations avec des matériaux naturels et de faire des chants, des danses, vraiment des choses naturelles qui viennent de nous, qui sont vraiment des choses qu'on crée nous-mêmes, en harmonie avec la nature. J'ai créé cette fête de la terre avec cette association, avec d'autres associations qui sont elles aussi très en harmonie avec la terre, parce que leur fonction, leur fonctionnement, c'est aussi, comme moi, à l'écoute de, comme nous, à l'écoute de ses capacités de nous donner, de nous nourrir, et de la remercier, de tenir compte d'elle, de sa vie, de sa multiplicité, parce que je dis elle, mais nous en faisons partie, les animaux aussi, les végétaux aussi, tout l'oxygène, toute cette sphère du vivant, c'est très important. Et c'est vraiment des moments de vie que nous vivons où nous avons vraiment la possibilité d'en prendre vraiment très conscience, et que c'est très important d'en prendre vraiment très conscience pour notre amour à nous, pour le respect de la vie, pour les enfants, pour qu'on puisse à nouveau co-créer ensemble. Donc là, on a fait plein de stands avec des jeux en bois, qui sont aussi des jeux éducatifs très intéressants, avec un ami qui s'appelle Daniel, avec les cigales de Gaïa, elles avaient leur stand aussi. Sur tout ce qui est permaculture, on a fait des débats en permaculture, conférence, il y en a encore une qui est en train de se finir, hein, pour un jardin urbain à Argenton-sur-Creuse aussi, l'association Bien-être avec tous les livres sur la nature, sur les jardins, sur les animaux, et puis quelqu'un qui fait du tissage aussi, là, avec des matières naturelles, donc il y a un peu de tout, tout en matière naturelle, une jeune femme qui a écrit un livre sur l'éthique animale et qu'est-ce qu'on fait de l'animal et comment on se voit nous à travers notre vécu et notre manière de nous nourrir avec les animaux et surtout de les élever, si on peut parler d'élever, parce qu'élever ça veut dire monter quelque chose, dans son estime surtout. Et puis une belle cuisine avec des gens très sympathiques, une très belle équipe, des visiteurs incroyables, un concert avec Marie Coutant, avec des belles bougies de partout en soirée. C'était extraordinaire et je suis très content d'avoir pu co-créer avec tous mes amis. Merci. Thank you.